Des bons personnages? Non mais attends, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Et ouais, sans Travis, y a plus de taxi driver. Vito Corleone, Annie Hall, Hannibal Lecter, Inspecteur Harry. Non mais attends, t'enlèves Nino Rota au parrain et Corleone devient le type le plus banal du monde. Je comprends pas votre lubie de tout centraliser sur le personnage. Y a plein de scénarios qui s'en passent. Ouais, ils sont forcément moins bons. Ah ouais? Tu peux me dire en quoi Mean Street c'est mauvais? À bout de souffle ou... J'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai dit que c'était moins bon. Ouais d'accord. Et dans les premiers Scorsese, c'était les interactions qui importaient, hein, je suis désolé. Sans ça, ça vaut rien. Non mais attends, je vois pas en quoi ce que tu dis, ça prouve que le personnage est pas l'essence de tout scénario. Tu prends, genre, Michael Myers dans Halloween, il peut faire l'objet à lui tout seul de 40 000 scénarios. C'est la motivation des réactions du personnage qui intéresse. Après, si tu prends un personnage complètement creux, genre James Bond, tu lui enlèves son histoire de sauver le monde, bah il est plus rien. Toi, t'as jamais vu le Docteur No de Terence Young, je crois. Hein. C'est n'importe quoi. Attends, est-ce que tu parles en réfléchissant, là, ou tous les mots sortent comme ça, de nulle part? Non mais Tom, tu parles autant de fond que de forme. Je sais bien que Mathieu, ça l'a jamais intéressé. Lui, la forme, ça l'inspire pas, quoi. Moi, ce que c'est surtout, c'est que c'est un putain de borné, hein. Bon, on fait quoi ce soir finalement? Je sais pas, c'était bien utile. Comment ça, c'était bien? Non, on avait dit on testait le bar ou je sais pas. À Opéra, il y a des bars tombés. Ouais, il y a des bars tombés.